Grand-mère sucre et grand-père chocolat, une histoire de Gigi Bigot. Il était une fois une petite maison tout en bonbons, et qui vivait dans cette maison? Un grand-père chocolat et une grand-mère sucre. Tous les deux s'aimaient beaucoup, beaucoup. Ils se disaient des mots. Des mots ronds comme des marrons et lisses comme du réglisse. Quelquefois, ils ne s'aimaient plus du tout, du tout. Alors, ils se disaient des mots froids comme de la glace, des mots pointus comme des couteaux. Un jour, ils se sont fâchés tellement fort que la grand-mère sucre s'est retrouvée dehors. Elle s'est mise à pleurer. Pas trop, pour que ses joues en sucre ne fondent pas. Et puis elle a regardé par terre. Par terre, elle a trouvé des pierres. Alors, avec les pierres qu'elle a trouvées par terre, elle s'est fabriquée une petite maison en pierre. La grand-mère sucre aimait bien sa maison en pierre. Mais elle aimait encore mieux le grand-père chocolat. Un jour, elle est retournée chez lui. Grand-père chocolat, ouvre-moi. Grand-père chocolat, ne me laisse pas. Mais le grand-père chocolat n'entendait pas. La grand-mère sucre s'est mise à pleurer. Pas trop, pour que ses joues ne fondent pas. Le ciel, quand il l'a vu si triste, a appelé les nuages, tous les nuages, pour qu'il pleure à sa place. Et il s'est mis à pleuvoir tant et tant que la maison tout en bonbons a commencé à fondre, fondre, fondre. Le grand-père chocolat, quand il a vu ça, il est venu frapper chez la grand-mère sucre. « Grand-mère sucre, ouvre-moi. Grand-mère sucre, ne me laisse pas. » Mais la grand-mère sucre qu'a-t-elle répondu ? « Bien fait pour toi !» Et il continuait à pleuvoir. Et la maison tout en bonbons dégoulinait sur le trottoir. Alors, le grand-père chocolat a fait quelque chose qui peut servir parfois, quand on est fâché avec ceux qu'on aime. Il s'est approché et il a chuchoté des paroles si douces et si sucrées que la grand-mère sucre lui a ouvert la porte de sa maison en pierre. Quand ils se sont retrouvés, ils étaient tellement contents qu'ils se sont embrassés, embrassés, embrassés toute la journée. Si bien que le soir, le grand-père chocolat avait une bouche en sucre et la grand-mère sucre une bouche en chocolat. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé.